Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bayonetta. C'est reparti. Attaquons-nous au prochain chapitre. Chapitre 8, il me semble. Je sais pas combien il y en a en tout, mais on doit en être à peu près à la moitié, je dirais. Après, je sais pas combien il y a de boss en vrai. Ça se trouve... Parce qu'on avait, on a combattu quoi? On a combattu deux boss, l'espèce de dragon plus l'espèce d'autre truc avec des doigts gigantesques là. Je me rappelle plus de leur nom vraiment. Mais en tout cas, on a combattu deux boss. Je n'ai pas joué en off. Je me suis dit c'est bon, j'ai pas vraiment besoin. Et du coup, route 666, est-ce que je le fais en normal? Ouais, de toute manière, ça changera pas grand chose. Ah oui, et je me suis équipé les griffes en... en attaque puissante. J'ai gardé l'épée, et j'ai mis les griffes, pour éviter d'avoir un flingue quoi. Après j'ai toujours les flingues pour carrer, mais... Attaque puissante, ce sera les griffes du coup. That bridge in these hills? I don't suppose I can call a cab to get me to the island. Did you see that? I told you there was nothing to worry about. Nanny! Nanny saved us! What? Hello there, Cheshire. Oh, shit! Your driving is on par with your journalism. I figured I'd beat you to the island, but the guards had another idea, didn't they? Not really my best plan, huh? You think you've got me figured out, don't you? We journalists have to have some detective skills, you know? You're after a gemstone, and that stone has to be in the Ithaval Group building. I'm headed there too. How odd. You seem to know where I'm going before I do. Yet you don't seem to know how to drive a car in a straight line. What am I? A chauffeur? Cheshire, do you have any idea what prolonged walking in this salty air will do to my hair? Well, I tend to use some product when I go to the beach. I'll take care of our pest problem. Wonderful. I'm
getting the distinct impression I'm not wanted on that island. But I love it when people play hard to get. Il y a des trucs que je vois pas en fait. Celui-là, là, il est chiant, par exemple. Le truc chevalier rouge. C'est carrément des griffes qui tombent quand j'ai les griffes en fait. C'est cool. Ah c'est cool, ça me remet sur le truc quand je tombe. Hop là. C'est quoi déjà comment on fait ici? C'est carré. Hop là. La bagnole. J'ai pris trop cher face à celle-là. C'est pour ça que je me dis qu'en facile ce serait plus cinématique. Ah. La troisième sphère. J'ai sauté, non? Ah non! Putain, mais j'ai appuyé sur le bouton! Ah, faut vraiment être sur le qui-vive, quoi. Enfin, après, c'est peut-être ma faute parce que j'ai appuyé vite et du coup j'ai appuyé sur carré et écran en même temps. Ça se trouve, ça a compté carré.
À chaque fois sur les premiers QTE, je me fais avoir, depuis le début. Alors, c'est quoi les touches? Là, j'ai appuyé sur R2 pour faire ça. D'accord, c'est l'esquive. Sauter, accélérer, gauche, droite. Là, c'est pas pratique. Je sais pas si je dois les buter ou pas, mais je les dépasse. J'ai pris je sais pas, j'ai pris un chemin au hasard, je voyais pas ce que je faisais. C'est très... bizarre comme... On sait pas si on doit buter les trucs ou si on doit arriver à un endroit en fait. J'ai plus l'impression qu'on doit arriver à un certain endroit et qu'on doit y aller. Ouais, c'est ça en fait. Loupé. Ouais, je dois pas buter tout ce qui va parce que c'est vraiment... Si je reste appuyé sur carré, c'est bon, je touche quelques trucs. Je perds quelques points de vie, d'accord, en touchant les gros camions. Je pense que vous comprenez pas grand chose non plus. J'ai beau jouer à Burnout 3 en ce moment. Là, c'est vachement rapide là, par rapport à Burnout 3. En plus, l'intempérie qui se rajoute. Ça m'a l'air d'être la fin. Oh, on peut faire les esquives parfaites aussi en moto. C'est dommage qu'elle fait que des esquives. Ah non, elle fait un. Putain, j'allais dire, elle fait que des esquives en se mettant sur la... dans l'autre sens. Mais non. Elle se met bien dans les deux sens en fait. Du coup, ça pourrait me permettre de... pour déraper aussi. Si j'avais su ça plus tôt.
Putain, j'appuie, hein, pourtant, c'est fou. Je comprends rien à ce qui se passe des fois, mais vraiment. Oh, ok, se relève pile quand il faut pas. Sur la seule bagnole possible. C'est pas vraiment ce que je dois faire, hein. J'enchaîne depuis tout à l'heure, hein, mais j'ai l'impression de faire le tour toujours au même endroit en fait. Aïe. Ah. Bon bah là. Heureusement qu'on est aidé, hein, parce que les contrôles, on pourrait se casser la gueule à tout moment. En tout cas, fallait arriver au bout. Parce que je comprenais pas, j'avais l'impression de faire plusieurs fois la même route en fait. Première sphère, des brèves. Ah bah ça c'est bien. Ah bah ça c'est moins bien. Bah attendez. Comment ça se fait que j'ai pu tuer cette? Voilà.
C'est vrai qu'avec que j'ai pas joué en off, j'ai pas pu récupérer quoi que ce soit. C'est un peu normal que j'ai pu tuer cette en fait. Alors, tac et tac. Mais bon, c'est pour tout le temps utiliser les sucettes, hein. Autant se mettre en facile, je pense. J'hésite trop à me mettre en facile ou pas, c'est... C'est vraiment l'impression que ça me donne en fait que ce soit... Si je mets en facile, ça me donnera l'impression d'être mauvais en fait, mais non. Si je mets en normal, j'utilise juste le gameplay en fait, donc je bouffe, je fabrique des trucs, tout ça. Mais niveau vidéo, au niveau vidéo, ce serait mieux en facile. Ça serait plus beau à voir, vous ne pourrez pas tout le temps prendre et fabriquer des trucs. Enfin voilà quoi. Et ben on a déjà terminé ce chapitre là. Et ben... Par rapport aux épisodes d'une heure, trois quarts d'heure que vous avez l'habitude d'avoir, entre celui-là et le dernier, attention. Bon. D'accord. Oh là, oh là, oh là, oh là. De toute manière, je sais que si je veux des sucettes ou des trucs comme ça, je suis juste à recommencer en off, hein, vraiment. Mais bon. Tiens. Eh ben, on va voir ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'on a été enlevé par une... Il y a un truc divin qui est apparu, en fait, là. Et qui nous a téléporté. Donc on verra ça au prochain épisode. Paradis, les souvenirs. Ah, peut-être qu'on va avoir des petits souvenirs de Bayonetta. On va enfin comprendre ce qui se passe. Peut-être. Oui, bah sur ce, je vous dis à tous, à dans 4 jours. Pour la suite de tout ça.